Le temps est venu. La question du jour est, il est temps de quoi? Et oui, puisque le temps est venu, il est temps de quoi? Posez-vous la question. Une fois de plus, recherchez pourquoi aujourd'hui vous vous êtes levé, pourquoi aujourd'hui vous avancez, pourquoi aujourd'hui vous êtes motivé, mais pourquoi aujourd'hui vous vous dites une fois de plus, ma vie c'est pas ça. Je ne suis pas satisfait. Je n'ai pas envie d'aller travailler. Je n'ai pas envie de sortir. Je n'ai pas envie de prendre de décision. Je n'ai pas envie de faire du sport. Je n'ai pas envie de voir ma famille, mes amis, mes collègues de travail. Pourquoi? Il est peut-être venu ce temps où il faut que les choses changent. Vous devez prendre une décision. Vous devez décider comment doit être votre vie pour que le matin, quand vous vous leviez, vous ayez envie. Vous soyez motivé. Vous souriez à la vie. Vous appréciez un ciel bleu, un soleil, une chaleur sur votre peau. Ça, ça s'apprécie au quotidien. Mais aujourd'hui, vous n'en êtes plus capable. Le temps est venu. Il faut que vous changiez d'approche. Il faut changer votre vie. Il faut enfin que vous viviez. Est-ce que vous voyez enfin la différence entre le fait d'être complètement passif et de subir au quotidien ? Peut être quelque chose d'extrêmement lourd, alors que le fait d'agir peut être plus risqué, j'entends bien, mais chaque jour c'est un risque. Chaque jour vous ne savez pas à quoi vous attendre. Mais agissez pour faire quelque chose de différent. Agissez pour que votre vie ait quelque chose de différent. Le temps est venu. Il faut que vous changiez les choses. Vous ne pouvez pas rester dans votre état. Rien ne va. Le travail, vous y allez à reculons. La famille, moi on la voit, mais on se porte. Les amis, pas envie de faire la fête. Le sport, oh, faut mettre les baskets, sortir, il faut y aller, le trajet. Ah, si vous en êtes là, c'est qu'il est déjà quelque part trop tard. Mais trop tard dans la mesure où vous êtes allé très très loin dans la déception de votre vie. Mais le temps est venu. Je vous laisse me mettre en commentaire. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Quels sont les problèmes que vous rencontrez que vous n'arrivez pas à résoudre?